Chers amis, bonjour à tous, bienvenue au Baltrap du Rabot. Nous sommes ici pour la Tunnel Shooting Academy 3, réservée à des jeunes chasseurs qui viennent de passer le permis de chasser. Comme Antoine. Antoine, qu'est-ce qui t'a décidé de passer le permis? Alors moi, j'ai aucun proche qui fait de la chasse. Et j'ai vu que c'était pas mal décrié. Et j'ai voulu faire chier les véganes, donc je me suis inscrit au permis de chasse. C'est aussi une bonne, voilà. Une bonne raison. À la base, c'était pour ça. Pour bien faire chier les véganes, comme tu dis, il faut tuer plein d'animaux. Exactement. Et pour ça, Jean-Marc va t'aider. Tu as passé ton permis de chasser il y a quelques semaines. Ouais. Donc tu n'as presque jamais tiré à la carabine. Pratiquement pas. J'ai tiré 4-5 coups. 4-5 coups, donc c'est vraiment très peu. Jean-Marc, là, tu vas d'abord le faire tirer avec Ceterix. Sans modérateur? Non, lui, il ne tirera pas avec sans modérateur. D'accord, donc oui. Uniquement avec un modérateur. Est-ce que tu peux nous dire quel modèle c'est? Alors là, on va passer à une gamme au-dessus qui est spécifique au calibre Magnum, mais qui va très bien sur les calibres standards. Sauf qu'Antoine a des petits problèmes d'acouphènes, donc pour bien lui faire voir qu'il peut tirer avec un modérateur sans appareil acoustique, il va se régaler. D'accord. Voilà. C'est le modèle, ça c'est le... Alors ça, c'est le Special Impact. C'est de la marque HQS, toujours, qui est importé par Tunette. Et qui va faire des émules, je pense. C'est un bon produit. Tu n'as jamais tiré avec un point rouge non plus? Jamais avec un point rouge, avec un modérateur. Ok. Voilà. Alors, donc, Jean-Marc, oui, peut-être tu peux aussi montrer comment on tire avec un point rouge, voilà. Ce qu'on doit faire dedans. Alors, je suis gaucher. Tu es gaucher, il n'y a aucun problème. Sauf que si tu peux ouvrir les deux yeux, tous les deux yeux. Mais toi, a priori, tu ne peux pas ouvrir les deux yeux. Non, tu ne changes rien. D'accord. À tes habitudes. Donc tu fermes l'œil que tu as envie de fermer, mais pas le gauche de préférence. Okay. Hein? Donc tu épaules ta carabine. Et il va falloir que tu essayes d'amener ta tête, voilà, et avance ta tête le plus possible. Voilà. Ah, d'accord. Il faut que la joue soit au contact. D'accord. Et maintenant, tu dois apercevoir un petit point rouge. Ouais. Là, il n'y a rien. Mais le problème, tout à l'heure, tu vas voir le modérateur qui va venir te gêner un petit peu dans le champ. Tu fais abstraction de ça. Je pense qu'au point rouge. Tu ne penses qu'au point rouge. Okay. Le point rouge va se poser sur le cul du sanglier. Et il remonte à la tête et s'épand. D'accord. Cul, tête, pan. Ça sera ça le leitmotiv de la soirée, de la journée, de la nuit. Tu vas en rêver du cul, tête, pan. Parfait. Mais c'est le but du jeu. Alors, tu vas calmement, franchement, il n'y a plus de recul. Ok. Donc, tu n'as pas anticipé, tu appuies tranquillement. Là, on ne voit pas que je les ai gardés. Hein. C'est bon. Ah bah j'ai enlevé ça du coup. Bon, je vais en faire 2-3 comme ça va aller plus vite. Donc le but du jeu c'est que tu tires autant de cartouches que tu peux. On est là pour faire tirer. Donc tu ne quittes jamais le sanglier de vue et tu réarmes. Je peux y aller? Ah tu peux y aller. Donc à partir du moment où tu as mis le levier à l'avant, tu seras en position de tir. Voilà, franchement. Ok, tu te mets en position d'attente. Attends, il va sortir par où? T'es à la chasse. D'accord. Il dit pas d'où il arrive le sanglier. Ok. Vert, commence pas à faire de la canne à pêche. Ouais, non, j'ai été perturbé je savais pas par où il allait arriver. Alors, tu réarmes. Okay. Épaule ta carabine. Tu t'arrêtes pas derrière, jamais t'arrêter derrière. Okay. Tu remets tout de suite ta main vers l'avant après, et voilà. Donc là, tu remets en position d'attente. Okay. Tu remets en position d'attente. Prêt? Allez. C'est parti. Ouais, non, j'arrive pas à enchaîner. Ouais. C'est un peu lourd pour enchaîner. Ouais, c'est lourd pour enchaîner. C'est pas grave, on y va un coup sûr, t'as sur un coup, c'est déjà pas mal. Ah. A plus. Ok. J'ai été. Ah, tu réarmes. Mets ta main tout petit peu plus devant. Ok. T'es prêt? Allez Coco, c'est parti. Maintenant, voilà, on regarde. Voilà. Tu regardes. Voilà. Position d'attente. Allez, c'est là, tu t'appliques bien comme il faut, tu la tires le plus tard possible. Et tu montes, tu montes, tu montes. Tu montes. Voilà. Nickel. Allez, il en reste plus qu'une. Ouais. Ouais, voilà la sensation. Alors on sent pas du tout de recul, j'ai l'impression de tirer
dans une fête foraine avec une petite carabine qui... On sent rien du tout. Et en plus, pas besoin de casque. Et en plus, pas besoin de casque, quoi. Donc c'est vraiment parfait. Alors, est-ce que tu penses que maintenant, les véganes vont faire la gueule quand ils vont voir les balles que tu as sur son... Bah non seulement billet. On va tuer des animaux, mais en plus en silence. Donc ils vont être très contents. Donc là, comme je disais tout à l'heure, hein, ça c'est de la curiosité malsaine. C'est au moment où tu tires, tu regardes plus le sanglier de ton point rouge. Tu te fixes sur le sanglier. Donc systématiquement, tu vas avoir un recul et un retard. Donc là, le retard, tu l'as parce que tu es derrière. Et la curiosité, tu l'as puisque tu es au-dessus de l'impact de la ligne horizontale. Là, tu t'appliques et ça va dedans. Donc il faut bien se focaliser sur le point rouge. Il n'y a que le point rouge qui compte. Le sanglier, on verra ça après. Ben voilà. Pile poil. Alors, il y en a une qui est là. Ouais, à un moment, j'ai senti que ça... C'est parti un peu en sucette, mais c'est bien, impeccable. Bon, sachant que c'est un modérateur de son qui normalement qui est dédié plutôt pour l'affût et l'approche. L'affût et l'approche et... Ah, parce que j'avoue que c'est un peu lourd quand même. Ça pique un peu oui, bien quand même. Un peu plus lourd. Voilà. Ouais, voilà. J'ai pas en tout cas, dit, le confort mais... de tir ah, non, ça a rien à était voir. Vraiment bien important. Sûr, incroyable, incroyable. Voilà. Okay. Bon, bah, y a déjà un sanglier qui va pouvoir offrir à nos amis qui aiment la laitue. Bah, parfait. Les mangeurs de laitue ont mangé.